maître de sa destinée. Devenir maître de sa destinée est une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec le métaphysicien Justin Dombé-Rondé, vous aurez des solutions à vos problèmes. Vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Vous allez découvrir le territoire de votre potentiel, les forces secrètes, les clés du bonheur et les formules sacrées pour atténuer vos souffrances. Vivre mieux et longtemps. Maître de sa destinée, c'est une nouvelle année avec de nouveaux défis à relever. Avec vous tous, ensemble, fidèles amis auditeurs de Radio Bénin, recevez nos salutations avec celle de Maître Justin Dombé-Rondé. Bonsoir, maître. Bonsoir. Comment vous allez ? Très bien. Merci beaucoup pour le temps que vous nous consacrez, le temps que vous consacrez à nos fidèles amis auditeurs tous les mardis soirs à partir de 23h ou encore les jeudis matins à partir de 5h. Vous êtes sur l'émission Devenir maître de sa destinée. Maître Justin Dombé-Rondé, vous êtes sociologue de l'éducation, vous êtes métaphysicien, un grand initié aux lois et secrets de la vie. Vous êtes notamment le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Et pour ceux-là qui connaissent déjà l'ISEP, nous sommes situés derrière le marché de Sainte-Rita au 65-65-65-49 avec des bureaux à Porto Novo, c'est le 65-65-65-48, à Boïcon, le 94-94-79-94. L'ISEP est également à Dassazoumé. Appelez-nous au 60-30-00-31. Nous sommes en Atitengo également, c'est le 60-30-00-32, à Parakou au 60-30-00-33. L'ISEP est à Azovet au 60-30-00-34, puis à Parakou, voilà, je vais y arriver, le 64-59-63-63. Maître Dombé-Rondé, nous avons l'habitude ici de donner votre contact privé pour toutes ces personnes qui ont besoin de vous joindre directement. C'est le 97-26-38-03, le 97-26-38-03. Cette émission, vous pouvez la suivre de nouveau en vous abonnant à nos comptes Facebook, SoundCloud et YouTube. Et l'identifiant, c'est bien entendu ISEP Bénin. Faites un tour également sur notre page web www.isep-humanite.org. Allez, maître Dombé-Rondé, nous avons achevé mardi dernier l'an 1 de l'émission, c'est ça, devenir maître de sa destinée. Nous entamons donc ce jour l'an 2, soit le 53e numéro. Certains de nos auditeurs se sont demandé et continuent de se demander s'il est possible à un homme de devenir véritablement maître de sa destinée, devenir réellement maître de sa destinée, est-ce que la chose est possible? Nous allons consacrer donc cette émission à répondre à cette interrogation légitime, je la voudrais spéciale, je veux dire cette émission, parce que nous avons dans ce studio une personne emblématique de l'ISEP, une personne que je vous laisse découvrir à travers cet instant d'animation. Nous l'écoutons. Mais
Susu panu gbeto titeuke ohon gbeto ton achewe pasena susu panu gbeto titeuke ohon gbeto ton achewe pasena susu panu gbeto titeuke ohon gbeto ton achewe pasena amaye hame ngbo betaya amaye hame ngbo betaya amaye hame ngbo panu gbeto titeube ohon gbeto ton ajewe pasena bo ise puja godo medo gbeto ita tolo mi bo tuna no suda kwa yi hon to we mi yi o wa yi me wa lona mama tele ale tan boru o wa yi Celle dont vous venez d'entendre la voix est présente ici dans ce studio, accompagnée de deux autres tout aussi emblématiques. Mesdames, présentez-vous aux auditeurs et aux auditrices de Radio Bénin. On commence par vous. Merci. Nous prenons méthode et nous mettons. Nous avons fait de coton. Nkayi nu plan vido izep bondo hot dodo we gome apakwe enego vous êtes donc Georgette Kessé, institutrice de formation, étudiante à l'ISEP au cycle fondamental de promotion 4. À vos côtés, une autre dame. Bonsoir madame, présentez-vous. Bonsoir. Ndoku nu mitam. Et nous sommes dans le bureau de Chantal. Merci, nous plantons maintenant où nous sommes. Nous sommes dans le coton. Nous plantons le bureau. Ils ont pris 5 euros. Nous sommes dans le bureau. Mais moi, nous comptons. Vous êtes également institutrice de formation et étudiante à l'ISEP, madame Chantal Nouboulokoui, cycle fondamental 3, promotion 1. Et puis, à vos côtés. Merci. Bonsoir. Je suis Léonie Rongbeté, institutrice de formation, étudiante à l'ISEP, cycle fondamental 2, promotion 1. Voilà, madame Léonie Rongbeté, institutrice de formation également. Vous êtes étudiante à l'ISEP, donc en studio avec moi, trois étudiantes de l'ISEP. Merci d'être là. Je voudrais tourner mon regard vers la sœur Georgette Kessé. C'est vous qui avez composé la chanson que nous venons de déguster il y a un petit instant. L'inspiration vous est venue comment? Dites-nous. Donc, autant nommé. Oh, Lili. Enéon. Endo. Bodo Paran. Fite Weka Gossi. Bessin. Zizan. Enzan. Ouai. Lo. Bon,
Orale no emo boy wona no mi yo. E wen juro bo. E la teme no mi pele. Leji. Bo, e wa teme pele no mi. E teme. Ndin din tan 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 mi. Bo, e vivi no mi. Bo no yo. Tiyo. Amo. Ton len ton indene. Nule nule. Ouvert ouvert laisser ou encadrer mais dit né en poro agbaza ti me le nwe we ma ton ne nko mo bo boko mo je ne bo e vivi nou mi amo ndende we ka do ki ha mi we do agbaza ti ne leji be do eyan emi na ene ko yin nde bu mi kun ka no gudo na o bona e vivi nou mi bona te mo fie ye o nwe na ko do esin ndo tin den a doyin ko we mama voilà non a doyin ko we mama bo gbede wo na kun le e na ti gan e un chobo na doyin ko ti we ma on me on lo de ti me si o ti menu mi bon ka so wo fe ti ku le yo e ro eyan asaya tan bo e wa na mi ko gbede le wo lo ko gbe ni on lo asan lo propo tin we ewe mi no zan lo fo nu gbe gba mi lo po be don mi lo jire wo azan nu konton yin na be si kakayi azan gudo toji mo ko gbe ni o kede ni ndo ai de hon gade me kade me no do ko gbe o ai le hon gade me no le do kaka bo azan ro propo te we o fo be do ene vo ne ni ton kan ne nde bo kun so po pa la nu gbo da re aji e o koyi tagba ni jewe yen de sin ku titi si 90 kakawa 2012 e wa de wa le kuno tun kan de mo bo alisa alisa o ndo yin ko wa me bo mi jeji bo do yi we sin sin wetan mi do ko e wo ma ndo wo ni ko ti we ma me sin janvier 2012 e wa ndo yin ko wa me ro ko yo gbe e blo 6 an gbe e blo kwa 6 an gbe. Ok, d'accord. Madame Georgette Kesset, vous avez dit hein, que vous êtes partie, que cette chanson vous a été inspirée de votre propre vécu. Oui. Vous êtes partie en 90, vous étiez remplie de souffrance et vous êtes tombée d'ailleurs malade d'une maladie grave qui vous a amené à taper à plusieurs portes, beaucoup d'hôpitaux, des lieux de culte, etc. Et c'est d'ailleurs une collègue à vous, devancière à l'ISEP, qui vous a amené vers l'ISEP. Et le premier exercice auquel vous avez été soumise fut le test d'identité individuelle. Et après cela, le maître vous a consulté, puis vous a proposé tout de suite de faire une expérience d'une semaine de parole, ce que vous avez effectué. Et c'est de là que est venue l'idée pour vous de vous inscrire à l'ISEP et de devenir étudiant de l'ISEP, ce qui a été fait en janvier 2012. Déjà 6 ans. Dites-nous, Madame Kesset, qu'est-ce que vous avez gagné en étant étudiante de l'ISEP? Nous, mon ISEP, nous, et que gagné. Ni la belle, autant voilà d'offres, ni un zadien, la coupe à la folle. Nous, on supporte, dit. Nous, y est, et un plaid. Le foyer, goué, et flat. Bon, gagné, bon, aïe, on est dans le DJ, dit, ouais. Bon, nous, gonne, on va DJ. A va DJ, ton flat. E wè ntun yen do ji. Do nwè nko ple nele me. E wè zon. Bo, ni non me ti. Zin zan e nan zan. E yo, bi wuzu. Bo non mò do jira ide ron. Ron ron non do ji jè di wè. Non mò do a, ndo ron ron. Ndo a tche, taun. Mò do po, non vide, non vide. Eh mi a ple a fo do fine e bo ouve ye lo se ouve teme teme on. Ni mo ho e no do di do e le e o. Po do zizan e ton le po o non mo do jile e o. Ronon ronon do mi men nou bo. Voilà. Eh, mi do a tye nou bo. E ne nou e zon bo. Ran on. Lin le on wa nou mi. Bon do le. Ma so nou e ne ba do doku nou ize pou bo do doku nou. Me gan. Eh mesi nou plan meto. Wanina mono e so ise po so a djanyi yo ndole ma so po so a do dokune. Bien sûr, vous avez dit que vous avez gagné beaucoup de choses hein, notamment la santé, beaucoup de connaissances accumulées qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir voir les choses d'une autre façon,
changer votre façon de concevoir les choses, modifier votre façon d'agir également. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes forte et puissante, et pour cela, vous avez composé cette chanson-là pour Lisette. Et vous avez aussi dit, Madame Georgette Kessé, avant que nous passions à la deuxième femme dans ce studio, que vous avez remarqué que, ou du moins vous avez compris, hein, que tout ce que le bien-aimé frère maître vous enseigne est vrai, et il faudrait que beaucoup de gens viennent ici à cette école-là. Oui. C'est ça? Oui. Allez, Madame Chantal. Bon, ok. Avant d'aller à Madame Chantal, je voudrais que vous puissiez nous faire un petit résumé des différents enseignements que justement vous avez reçus à l'ISEP et que vous avez décidé de mettre en chanson. Si on devrait résumer cette chanson que nous avons écoutée. Merci. Pour tous ceux-là qui ne comprennent pas forcément le fond et qui ont écouté la chanson avec nous. Merci, monsieur le journaliste. Et le résumé de ces enseignements que j'ai essayé de chanter est: l'ISEP s'emploie à nous enseigner qu'en dehors des lois de la physique, il existe en chacun de nous une force qui, loin d'être un don réservé aux privilégiés, ne s'exprime que si elle est développée. Cette force, une fois développée, pulvérise nos chaînes du passé, nous amène à accéder à la lumière de la connaissance. Dès lors, nous comprenons que les phénomènes étranges résultent de l'application des lois cosmiques et des pouvoirs mentaux. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce résumé, Sœur Georgette Kessé. Je me retourne vers vous maintenant, Sœur Chantal. Vous avez suivi votre sœur, la Sœur Georgette. Êtes-vous d'avis que l'homme est fort et puissant? Tokounou est la journaliste. Voilà les confis, voilà Tokounou. Merci, mettons, nous prenons mettons, ton père Mounir Justin. Et c'est quoi d'agré, l'or ou théo, l'air ou coutonné, oui. Donc, quoi, nos vies, Georgette, d'or théo, quoi, nous pour titer une bébé. Quoi, nous pour titer une bébé, bon, y est tout, mon. Bolé, y bolé, sang. Donc, n'a d'or, quoi, nos filles, n'a d'or, nous, mi, clé, ou d'or, me dit, n'goro, d'or, ton. Tonou Ende, bon, ils aient pour demi-ton. Boule nami rolon de vous. Boule do à zan, ga, be gawe, ils aient pour les nami. Do, nador au clé ou meon, a misa ou en noy. Noy a misa de souendo, a misa gang ho, na alote na bodo, ni de bou meon, no jodo, tolo bono kan wezo mono di do a misa. Bon, et néon coup, mami, on peut y belle, on n'en sort, voilà, Bible, tu on n'en sort, on n'en sort d'autre. Bon, on dit, son, qu'est-ce qu'on donne à quoi, on nous donne. Oh, il y a d'autres, on donne à ses billets. Bon, non, on donne à l'air, puis bloué. Tcho, quand tcho, à vous faire l'air pour doter. Vous faire doter, caca, bon, à quoi, à wada, so, à y quoi, les gens, nous, et non, c'est quoi, on a l'air, nous, tout noir. À son âge, elle m'a doté, au thé, bon, où est-ce qu'on a été nommé? Et on a eu un billet, et on a eu 2006. Alors, quand, et dans l'autre, et moi, à tin d'arro et sa wende, à tin au mou. Fie, on a eu un billet, 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 on a Mte ya zome lon no si wa ndi ya. E wa klo keka bo en swete ro yini gbobo ba me do ho me. Bondo e wo. Na na ba me a yide su na no yi. Bondo yi ne wo keka bo wa wa. O ho go nu fi. Bo a kwe do yi se pu nu bo. No vi nyon nu de vo bla me. Wa wa kwe do yi se pu nu de. Bo. Nga se no vi yo sin ho nu bo bo ho we ma on. Bo. We ma de e bo me si mi ton blo. Bo un ho. Savoir diriger une école bon ho nouveau et do e ho e hen e no wa yi ko yogbe bon wa yi ba me de kon bon wa yi o ala yi ba to nu bi de bon ba to na nu bo yi ko yogbe ye ijo no che ta un bon blo nu e ne ko do etes identite individuel we no bon blo e resulta wa san ton gbe ton e yo mi
Merci beaucoup, sœur Chantal Nogodoko. Vous avez dit que vous étiez au bord du gouffre quand vous avez connu l'ISEP. Vous avez longtemps été fervente, vous dormiez pratiquement dans les églises, mais malgré ça, la souffrance était là. L'année 2006 était d'ailleurs pire pour vous. Vous avez, dans la période donc, connu l'ISEP. Votre arrivée a été très bien accueillie. Vous avez d'ailleurs fait le test d'identité individuelle qui vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Le maître vous a ouvert également les yeux en vous disant de chasser la peur et la souffrance pour vivre mieux longtemps. Vous avez précisé qu'au-delà de tout, Lisa vous a enseigné plein de choses. Et vous tirez comme conclusion que l'homme est fort et puissant. C'est la méconnaissance de cette puissance qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. À nouveau, merci beaucoup. À vos côtés, nous avons la sœur Léonie. Sœur Léonie, quel témoignage avez-vous pour nous aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Je vais d'abord remercier mon bien-aimé frère maître pour tout ce qu'il fait pour nous les étudiants et pour la population du Bénin. La souffrance était en moi avant la mort de mon mari. J'allais de religion en religion, c'est-à-dire je suis catholique, je suis une catholique. Je suis allée au christianisme céleste, du christianisme céleste aux musulmans,
c'est-à-dire chez les marabouts, et ils allaient au salaire traditionnel, tout juste pour sauvegarder le foyer. Donc, en 2008, c'était dans cette situation que mon mari est parti par une crise cardiaque à l'hôpital de Port-Nouveau. Et là, la souffrance a augmenté, que ce soit chez moi, que ce soit chez les enfants aussi. Voilà. Donc, j'avais un frère, un collègue, promotion. Nous avons fait les bancs ensemble. C'est lui qui était le premier à connaître les œufs. Voilà. Et quand je souffrais à la mort de mon mari, ils étaient tous venus. Et quand ça persistait, il me disait de venir. Il m'envoyait, il venait me déposer sur ma table à la maison les séminaires. Parce qu'on avait un feuillet, ils avaient des imprimés où ils nous déposaient pour nous inviter, des invitations voilà. pour le séminaire. Donc je ne considérais pas ça. Mm-hmm. Parce que partout où j'ai passé, et puis c'est les séminaires que je ne pensais pas suivre pour pouvoir réaliser ma vie, je dis non. Donc, je l'ai dit le jour-là, je l'ai venu me voir à la maison, j'ai dit non. Je me suis déjà accrochée à mon Seigneur, à mon Dieu, et que je ne connais que l'Église. Effectivement, tous les matins avant d'aller au boulot, je me rendais à l'Église catholique de Sacré-Cœur, je suis à Rwanda. Et après la prière de 6h45 à 7h30 et 15, je vais au Saint-Sacrement. Et j'égrène mon chapelet, je dois égrener tout mon chapelet avant de me rendre à l'école. À 8h. Oui, à 8h à l'école. J'ai quitté Port-Nouveau pour m'y traiter. Mm. Oui. Donc, il s'est fait que l'État avait, nous avait permis de faire une visite médicale pour tous les enseignants d'alors. Donc, lors de ma visite, le docteur me disait, il m'a examiné, disait, madame, vous êtes un grand malade. Ah. Une grande malade, si je vais parler du féminin, ça se féminin. Et que de faire beaucoup attention. D'abord, je suis tensionnaire. Et la fatigue me gagne. Toujours. Et ensuite, il me dit à midi de cesser les cours et de me reposer. Sinon, je risque de perdre ma vie. Ah. Oui. Avant de cette visite, c'est que après la mort de mon mari, j'avais déjà mon médecin qui me traitait. Mm-hmm. Et j'étais à 12 comprimés le matin, wow. le midi et le soir. Donc mon salaire, près de la moitié, c'était dans les médicaments. Ça, c'est de mon côté. Ma fille aussi, la seule fille que j'ai parmi mes enfants, aussi, toutes les deux semaines, elle tombait aussi malade. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai connu les ZEP? D'abord, mon collègue en question, qui me fouettait, qui faisait tout pour que je puisse arriver, je lui ai dit non. Et finalement, il me disait, pour finir avec tout, de faire un test d'identité. Je dis, qu'est-ce que tu appelles test d'identité? Moi, j'ai ma carte d'identité. Mm-hmm. J'étais revenue de l'école, il me faisait comprendre que je dois faire un test. J'ai dit non, j'ai ma carte. J'ai fait sortir quand je lui ai remis, il m'a dit non. Le test dont on parle, c'est pour te connaître. J'ai dit, je me connais. Il me dit, c'est vrai, tu te connais? J'ai dit, oui, je me connais. Et il a dit, en tout cas, que lui veut que je fasse le test. Et j'ai dit, je n'ai pas les moyens. Et c'est lui qui a fait sortir son argent pour payer mon test. Voilà. Chose drôle. Pourquoi je puisse faire mon test? Je n'ai pas fait mon test. J'ai fait le test à ma fille. Ah. Oui, j'ai fait mon test d'abord à ma fille. Parce que ma fille qui était admise au bac en ce moment-là, avec une année à l'université, n'a pas mis pied à l'université. Parce qu'elle me disait qu'elle va faire l'esthétique. Moi, je ne savais pas ce qu'on appelle l'esthétique. Ouais. Et je lui ai dit non. Qu'elle va continuer les études avec, comme ce que ses frères ont fait. Parce qu'elle a deux grands frères devant. Mm-hmm. Donc, finalement, j'ai fait le test à ma fille. Et j'ai donné les références. J'étais couchée sur mon lit. Hein. Mm-hmm. Il a pris les références et puis il est parti. Je ne connaissais pas en ce moment les aides. Donc, quand il est parti, le deuxième jour, c'était un lundi. Le mercredi, il m'amène le test. Vers les environs de 15 heures. Quand j'ai ouvert, c'était sous enveloppe fermée. Mm-hmm. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai lu, j'ai dit non. J'ai appelé son nom, j'ai dit non, c'est pas vrai. Tu as parlé de moi à ton maître? Il dit comment? J'ai dit oui, tu peux parler de moi à ton maître parce que le maître ne me connaît pas. Voilà. Il ne me connaît pas, mais il a défini sa vie, il a détaillé ma fille de telle manière que vous allez croire qu'il vit avec moi dans le foyer. J'ai dit ça alors, je vais faire un effort pour aller connaître le maître là en question. Mm-hmm.
J'étais malade, hein? Oui. Et puis ma monsieur sa moto. En ce moment, nous étions à Avakpa, sur une maison à étage, à deux étages. Mais, quand arrivé là, il a garé sa moto pour monter sur le premier étage. Et puis, comment c'est un étage, j'espère. Oui, bien sûr, le premier niveau. Pour aller au premier niveau. Pour aller au premier niveau, mon vieux, j'ai transpiré parce que j'étais malade, tensionnée, de la fatigue. J'ai transpiré. Et puis, vous allez sentir moi que la sueur sortait. Voilà. Et puis, ça mouillait même ma chose. Arrivé là, il me disait que ici encore, c'est le secrétariat, il reste encore, tu vas pas encore faire un saut pour aller encore en haut. J'ai dit non. Non, c'est bon, ça suffit. Demandez au maître là de venir me voir ici. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Écoute, mais tu sais que je suis malade, tu me fais encore souffrir comme ça. Il faut voir comment je suis en train de respirer. Tu me dis de monter encore. Il m'a dit, bon, assieds-toi, il m'a donné. Je suis restée assise pendant un moment. Il me dit, bon, fais encore un effort. Mais arrivé là-bas, j'ai fait un effort. J'ai arrivé là-bas. Excusez-moi beaucoup, hein. J'ai dit, mais c'est au bilier. Non, mais au bilier. Et j'ai dit, maître, s'il vous plaît, bien aimé frère, je vais vous poser toutes les questions possibles. Il a dit, allez-y seulement. Donc, j'avais le test de ma fille. J'ai dit, maître, vous me connaissez? Il dit, pourquoi cette question? J'ai dit, oui, parce que ce que vous avez écrit, c'est comme si vous êtes avec moi. Et j'ai commencé par lui poser des questions d'éclaircissement pour mieux connaître et ma fille et mieux connaître là où je suis arrivée. Ouais. Il a répondu à toutes les questions possibles. Là, on s'est séparés. Je suis restée un peu avec lui et on s'est séparés. Mais arrivé à la maison le jour-là, tout ce que je souffrais comme maladie-là était parti. Wow. J'ai dormi parce que dans la nuit, je ne dors pas. Quand j'attends un oiseau partir, crier partir, c'est le chapelet. Je me réveille, je commence à écrire le chapelet. C'est comme ça que je faisais parce que les enfants étaient à ma charge. Mm-hmm. Mais le jour-là, j'ai dormi, j'ai tout oublié. Qu'est-ce qui a fait que j'ai connu Isep? Isep, c'est à cause de ma fille. Après mon autre rencontre avec le bien-aimé frère maître, oui. Quelques jours après, ma fille tombe encore malade, comme d'habitude. Mm-hmm. Toutes les deux semaines, je suis à l'hôpital. Et là, le docteur nous a amenés vers sa clinique. On a fait toutes les analyses possibles. Après deux semaines, on n'a rien trouvé. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais découragée parce que le docteur me disait, il a fait appel à un thérapeute qui me disait que madame l'a regardé dans quelque chose, dit madame, votre fille, c'est sa tante qui est en train de sucer son sang et qu'il faut donner tel montant pour faire chaud là. J'ai dit, ah, mon ça là, je n'en ai plus que. Il dit quoi? Si c'est pour mettre les tigans là, pour aller pour les cérémonies, vous le savez, mais cette somme là, ça ne vous dépasse pas pour que vous puissiez agir de cette manière là. J'ai dit, bon, d'accord. En ce moment là, quand ma fille était à côté de moi, elle a commencé par gémir. J'ai dit, toi là, il ne faut pas faire comme, il ne faut pas agir de cette manière-là. Va, on ira encore sur le lit de malade. Et c'est là, c'était un midi vers 13h. J'ai appelé mon bien-aimé frère maître. J'ai dit que j'ai besoin de lui, que si je peux arriver, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Arrivé là-bas, je lui ai soumis le problème. Après deux semaines d'hospitalisation, je lui ai soumis le problème. Et puis, il m'a dit, c'est tout. J'ai dit oui. Et en partant, il m'a remis un petit bidon de demi de posotomé là. Il est entré, il m'a remis de l'eau. Il m'a dit à l'effet là-bas de remettre à l'enfant de boire et de lui passer ça sur le corps. Et quand mon chou là sera là et mon parrain sera là, le frère en question sera là, mm-hmm. qui viendra vers nous. Et donc c'est comme ça, le soir, le frère était arrivé, il a donné l'appareil et le portable à ma fille. Ils ont échangé avec le maître. Et puis le soir là même là, ma fille me dit, maman, je vais manger de moyaux. Ce qu'elle n'a pas mangé pendant deux semaines. Mm-hmm. Et rapidement, je suis allée payer. Quand elle a fini de manger, elle est tombée à rentrer. Qu'elle est guérie. Et vous êtes rentrée à la maison. Et nous sommes entrés à la maison. Oui. Et il n'y a plus de maladie jusqu'à ce jour. C'est par rapport à ça que je suis inscrite et je suis devenue étudiante jusqu'à ce jour. Et que vous êtes devenue étudiante. Et moi, je me porte aussi très bien et forte. Partout où je passe, il n'y a plus de maladie. Merci beaucoup. Donc voilà le pourquoi, vraiment, nous allons toujours remercier notre bien-aimé frère pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci. Et j'invite mes sœurs. Qui sont mes soeurs et frères, qui sont encore à la maison souffrant, hein, de venir s'inscrire, ne serait-ce seulement faire le test pour se connaître et pouvoir aussi gagner la vie comme nous. Merci beaucoup, sœur Léonie Humbété. On va écouter encore un petit bout de cette chanson, L'homme est fort, l'homme est puissant. Je reviendrai à vous tout à l'heure, mesdames, on écoute juste un petit bout. Je ne
beaucoup, Maître Justin Dangwarundé. Vous venez de suivre trois étudiantes de votre prestigieuse école. Vos sentiments actuellement? Mes sentiments actuellement, je voudrais d'abord saluer les auditeurs et les auditrices, vous saluer vous-même, exprimer mes sentiments de fierté à l'endroit de mes soeurs étudiantes, leur dire merci, les féliciter pour ce qu'elles incarnent dans la maison ISEP, pour le courage dont elles font preuve, et ensuite aussi les féliciter pour leur endurance et les efforts déployés pour la construction du temple de la vertu, parce que c'est ça en fait qui nous occupe à l'ISEP. Vous venez de faire le constat avec moi. À l'ISEP, nous avons mis en place un programme adéquat qui permet de réhabiliter l'homme. Voilà. Ce programme est centré essentiellement sur l'homme. L'homme débarrassé de toutes les fioritures. Donc ce programme, vous comprenez bien, il est débarrassé de toutes les fioritures, de tout ce qui est mythe et de tout ce qui est mystification. Alors je voudrais poser une question aux auditeurs et auditrices qui nous ont suivis et qui ont suivi ces étudiantes fortes et puissantes, parce que c'est le sens de la chanson que nous avons dégustée il y a un moment. Alors, est-ce que vous pouvez trouver, je dis bien, est-ce que vous pouvez trouver un programme de réhabilitation de l'homme? Est-ce que vous pouvez le trouver dans la religion? Est-ce qu'elles ont dit qu'elles sont, c'est des années dans la religion? Est-ce que vous pouvez trouver un programme centré sur l'homme, sur la réhabilitation de l'homme dans votre religion? Est-ce que vous pouvez trouver un programme de réhabilitation dans la politique? Je dis bien, réhabilitation de l'homme dans la politique. Est-ce que véritablement vous pouvez trouver un programme de réhabilitation de l'homme dans les écoles, dans les universités? Donc il y a là toute une question en fait à laquelle il faut pouvoir répondre. Alors il y a une loi qui nous dit que tout ce qui est possible à une échelle réduite, oui, l'est aussi à une échelle plus grande. Et c'est pour ça que je voudrais inviter les auditeurs et les auditrices à imaginer que ce programme de réhabilitation dont je viens de parler, que vient d'exposer mes soeurs étudiantes, oui, d'imaginer ce que ce programme apportera à notre espace bénin. Bien sûr. Ce que ça apportera à l'espace continental Afrique, s'il était appliqué. Je ne dirais même pas dans la totalité. Mm-hmm. Parce qu'elles sont en train de faire le cycle fondamental 2. Oui. Et nous en avons 4. Alors imaginez, je dis bien imaginez cela, et vous allez trouver qu'il est utile tout de suite d'appeler ceux qui sont dans la gestion des États africains à se préoccuper de la réhabilitation réelle des hommes. Je prends le cas de la sœur Georgette. Vous avez suivi ce qu'elle a dit. La sœur Léonie, vous avez suivi. La sœur Chantal, vous avez suivi. Il y a quantité de témoignages comme ça. Et puis l'ISEP a essayé de réhabiliter toutes ces personnes. Voilà, bien sûr. Maître Justin Dangwarundé, j'ai une question de curiosité. Comment parvenez-vous à transformer en si peu de temps celle-là qui se présente à vous? Non. Là, j'ai dit, je ne fais rien d'extraordinaire. Ouais. Je ne fais absolument rien d'extraordinaire qui me soit destiné exclusivement à moi. Alors, les fois où vous allez rencontrer un homme qui vous dira que lui, il est l'entremetteur entre Dieu et vous, et que c'est forcément par lui que vous allez atteindre Dieu, dites-lui que c'est faux. Dites à celui-là que c'est faux. Chacun de nous peut faire lorsque vous faites. Absolument, absolument. Parce que, vous savez, il y a une première attitude. La première attitude, c'est quoi? C'est qu'il faut considérer les autres comme soi-même. Okay. Et c'est l'effort que nous faisons constamment à l'ISEP. Considérer les autres comme soi-même, et leur dire toute la vérité sur leur existence. Ça, c'est la première attitude qu'il faut avoir, si tant est que vous voulez vous engager dans ce programme de réhabilitation des hommes. La deuxième attitude, c'est qu'il faut tenir la main de ceux et celles qui se présentent à vous. Il faut leur tenir la main pas à pas pour les sortir de l'égarement, pour les sortir des ténèbres, pour les sortir des fausses connaissances et les sortir enfin des connaissances limitées et limitantes. 15 ans de religion. 15 ans d'université, 15 ans de ceci, et pourtant les gens ils sont dans des connaissances limitées, dans des fausses connaissances. Troisième attitude qu'il faut avoir à ceux et celles qui vous se présentent à vous, il faut leur stimuler l'esprit pour fortifier enfin le corps. Et là, je voudrais me référer aux enseignements que nous dispensons à l'ISEP, et je vais m'en tenir juste au cycle préliminaire.
Et quand nous parlons de cycle préliminaire, c'est que vous venez tout de suite de votre vie profane, vous vous inscrivez, vous avez 6 mois. Je dis bien, vous avez 6 mois pour changer complètement, complètement la vie, votre vie. Et là, je dis, par exemple, le premier mois, nous le destinons à une thématique. Regarde dans quel monde nous vivons. Toi-même, tu vas arriver à la conclusion que nous vivons dans un monde complètement désorganisé. Et si la planète est désorganisée, c'est que les hommes sont désorganisés. Et si vous êtes désorganisé, c'est que vous êtes dans un dysfonctionnement. D'accord. Et dès le premier mois, on va commencer tout de suite à vous, hein, à vous recoller les morceaux. Vous allez c'est le mois de l'observation. Ah oui. Il faut observer le monde dans lequel nous vivons. Voilà, et vous allez comprendre. Bien sûr. Deuxième mois, nous vous mettons en même temps dans une seconde thématique, observer les âmes silencieuses qui sont utilisées contre vous parce que nous sommes dans une guerre tranquille. Vous-même, vous allez décrypter, observer ces âmes silencieuses et vous vous rendrez compte que, mais en fait, vous étiez malade par le passé, et vous étiez dans la peur, dans la colère, etc. Parce que simplement, ceux qui ont planifié, programmé ce monde, ils utilisent des armes que vous ne connaissez pas. Et ces armes ont les mêmes percussions, c'est-à-dire les mêmes conséquences. Que les armes physiques que nous voyons là. Alors, dès que vous avez pris conscience de ça, vous commencez également à faire attention. Et vous mettez tout de suite à vous réhabiliter vous-même. Et puis le troisième mois, nous le consacrons à quoi? À l'homme, cette machine complexe. Là, nous vous mettons dans vous-même pour que vous parveniez à découvrir qui vous êtes et comment vous êtes complexe. Et que vous êtes la meilleure machine qui soit au monde. Et puis, quatrième mois, on vous plonge maintenant dans votre intérieur pour vous faire ressortir les pouvoirs qui sont en vous, mais cachés. Cachés. Alors, et vous découvrez. Dès le quatrième mois, on peut découvrir déjà les pouvoirs cachés. Les pouvoirs intérieurs qui sont en vous. Et vous constaterez que vous êtes puissant et vous êtes riche de tous les possibles. Et que vous êtes vraiment fort. Alors, dès cet instant, qu'est-ce qui vous reste? Alors, le cinquième mois maintenant, on va vous conduire pas à pas. Et nous vous disons comment réussir sa vie alors qu'on a mal commencé. Les gens ont passé 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Tout peut se reprogrammer. Et là, on reprogramme la vie avec vous, mais pas sans vous. Pas sans vous. Voilà. Pas en vous disant donc que c'est quelqu'un d'ailleurs qui va vous programmer, va vous bénir, qui va vous apporter. Non, nous vous disons, il n'y a que vous et vous seul. Alors vous comprenez que quand vous sortez de ce circuit au bout de 5 mois, vous faites les examens pendant le 6e mois, vous faites votre soutenance de mémoire, mais vous devenez complètement une autre personne. C'est ça. Et j'ai toujours défié quiconque qui a terminé le cycle préliminaire et qui va venir me dire, maître, moi je n'ai rien gagné. Je dis, c'est faux. Tu as gagné énormément. Énorme, beaucoup de choses. Alors je dis rapidement quelques secrets qui sont rattachés à cette affaire. Bon, ça c'est un peu trivial quand je parle d'affaires. Alors, la force de la pensée créatrice, de la personnalité, de l'énergie physique. Vous voyez, les dames, elles ont dit, elles sont devenues fortes et puissantes. Parce qu'elles ont été mises en contact avec la force de la pensée créatrice, avec la force de la personnalité et avec la force de l'énergie physique. Elles ont bu, elles se sont imprégnées, elles ont baigné pratiquement dans cette force et elles ne peuvent qu'être fortes. Ensuite, comment rayonner dans ce monde en péril? Ça, c'est des secrets qui sont rattachés, en fait, aux thématiques que je venais. Alors, le succès, c'est 20% de la vie en termes de stratégie. Mm-hmm. Mais 80%, c'est réservé à votre mental. Voilà. C'est réservé à votre mental. Donc, je vais m'arrêter là pour dire tout simplement, que la chanson que nous avons dégustée, liée à la question que vous m'avez posée, comment je fais, je ne fais absolument rien d'extraordinaire. Tout le monde peut faire ce que je fais. Bien sûr. Maître, donc, vous voulez un appel maintenant à l'endroit des auditeurs et des auditrices. Oui, là, je vais dire aux auditeurs aux auditrices toutes les vérités suivantes. Pardon, je vais dire les vérités suivantes, pas toutes les vérités. D'accord. Je leur dirai ceci. Première vérité, chacun de vous est riche de tous les possibles. Si c'est possible pour Jacques, c'est que c'est possible pour vous aussi. Voilà. Deuxième vérité, vos tourments, c'est-à-dire vos problèmes que vous avez, vos souffrances que vous avez, vos tourments ne viennent pas de ce qui vous arrive, en bien comme en mal. Non. Mais vos tourments viennent des idées que vous faites de ce qui vous arrive.
Donc les idées que vous vous faites, donc des idées de ce qui vous arrive, c'est de là que viennent vos tourments. Si vous voulez changer votre vie, il vous suffira simplement de changer vos idées. Bien, les idées étant la forme manifestée de vos pensées. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité que je voudrais partager avec les auditeurs, évitez de vous enfermer dans vos dogmes, dans vos croyances limitées et limitantes. Ouvrez vos fenêtres. Soyez prêts à remettre en question ce que vous pensiez savoir et partez en voyage sur la planète, parmi les hommes et dans le royaume des idées. Voilà. Quatrième vérité, sachez que chacun de vous est d'abord et avant tout un esprit. Et un esprit, c'est une somme de pensées. Vous n'êtes pas ici sur cette terre pour faire de la spiritualité. C'est une aberration de dire qu'on est venu pour faire de la spiritualité. Vous êtes sur cette terre pour apprendre. Mais apprendre quoi? Apprendre à gérer vos émotions. Cinquième vérité, le coût de la formation Elisep est trop bas pour les résultats qu'elle produit, que cette formation produit. Engagez-vous dans cette formation pour votre bien, pour le bien de votre famille, pour le bien de votre entourage. L'utopie, et nous l'avions dit ici le mardi dernier, est simplement ce qui n'a pas encore été essayé. Merci beaucoup. Restez pas là où vous êtes pour dire ce n'est pas vrai, mais essayez et on verra le résultat. L'utopie est simplement ce qui n'a pas encore été essayé. Merci beaucoup, Maître Justin Dogbarondé. Question de curiosité, votre prochain voyage dans le Septentrion, ils sont nombreux à vous attendre. Oui, là vous m'amenez à dire ce que je ne devrais pas dire, mais Parakou, je suis à Parakou le jeudi 15 mars prochain. Le jeudi 15 mars prochain, vous êtes à Parakou. Alors, à Natitengu, je suis là-bas le vendredi 16 mars. Ceux et celles qui désirent me consulter peuvent déjà prendre rendez-vous auprès de nos secrétaires respectifs. Si vous voulez me rencontrer à Parakou, après-demain, donc le jeudi 15, appelez tout simplement le 64 59 63 63. Voilà. Je dis bien 64 59 63 63. Si vous voulez me rencontrer du côté de la Titingou, parce que vous êtes et ailleurs, venez appeler le 60 30 0032. 60 30 0032. Et ça, c'est le 16 mars. Bien sûr. Rencontrer à Parakou. Bien sûr, merci beaucoup Maître Justin Dongbakoundé. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais arracher une petite phrase à chacune des dames en studio. Très rapidement, on commence par vous, Madame Georgette Kessin. Un message à l'endroit de vos soeurs qui vous écoutent, vos frères qui vous écoutent actuellement. Merci, monsieur le journaliste. Nyembiyo, Tolomitole, Noué, Mido, Tinkaka, Ido, Ndido, Yenawesea. Yenawesea. Un bioi, bodo dire dide milo dinuna, boda fopo ya beo ye biniwa, bonu minano po bonu uvelo, minano po bonya uvelo, kakai mavon. Bien sûr, Madame Léonie, un mot. Oui, merci Monsieur le journaliste. Je voudrais dire à nos frères et sœurs, ne se laisse que faire un petit test pour se connaître et connaître leur petite famille. Voilà. Là, ils vont mieux gérer leur vie. Faites votre test d'identité individuelle pour mieux gérer votre vie. Merci beaucoup, Madame Léonie. Et on vient à Madame Chantal maintenant. Oui, merci. Venez essayer. Voilà. Venez vous essayer aussi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'être passées dans ce studio. Maître Dongbakoundé, un mot de clôture. Oui, un mot de clôture, c'est de vous remercier. Remercier les sœurs qui sont venues pour que cette édition soit spéciale. Vous l'avez vu, l'homme est fort, l'homme est puissant. Il s'agit en fait que cette seconde année que nous entamons avec ou dans le devenir maître de sa destinée, que nous puissions la couronner, et certainement en mars 2019, que nous puissions la couronner avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont devenus étudiants, qui puissent dire après, c'est vrai, on peut devenir maître de sa destinée. Bien sûr, merci. Vous pouvez devenir maître de votre destinée. Venez à l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée derrière le marché de Sainte-Rita. Merci à toutes et à tous. Cette émission, vous pouvez la réécouter à nouveau sur notre compte SoundCloud, c'est Isep Bénin, ou la regarder sur notre compte YouTube, c'est toujours Isep Bénin. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.
de sa destinée. Devenir maître de sa destinée est une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec le métaphysicien Justin Dombé-Rondé, vous aurez des solutions à vos problèmes. Vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Vous allez découvrir le territoire de votre potentiel, les forces secrètes, les clés du bonheur et les formules sacrées pour atténuer vos souffrances. Vivre mieux et longtemps.